les buveurs anglais pourront profiter du sacre de leur souverain. Lors de son couronnement en mai prochain, ils pourront boire 2 heures de plus dans les pubs du pays. Ce dimanche 5 mars, The Sun indique que l'ensemble des bars de l'Angleterre et du Pays de Galles sont autorisés à servir leurs clients jusqu'à 1h du matin. Le feu vert a été donné à l'occasion du couronnement de Charles III qui aura lieu le samedi 6 mai. C'est la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui prolongera les heures d'ouverture des licences, habituellement programmées à 23h. Les gens pourront ainsi profiter d'une pinte ou deux supplémentaires, a-t-elle déclaré. La décision a été naturellement bien accueillie auprès des Britanniques et du secteur de l'hôtellerie. À la suite d'une consultation le mois dernier, 77% du public avait soutenu ce coup de pouce royal. Suella Braverman avait ajouté, « Le couronnement de Sa Majesté le Roi sera une occasion mémorable qui mérite une célébration spéciale. » Photo, Rétro 2022, Charles III. Revivez les temps forts de l'année du nouveau roi à quelques semaines de cet événement historique. Le pays est en plein préparatif pour le sacre du nouveau souverain. Annoncé fin 2022, le couronnement du roi Charles devrait être considérablement léger par rapport à celui de la reine Elisabeth II. À cette coupe budgétaire s'ajoute également une part de mystère sur les invités. Depuis la parution des mémoires de son fils, le roi Charles III tente, malgré tout, de l'avoir à ses côtés pour son couronnement. Le duc de Sussex et sa femme, Meghan Markle, n'ont toutefois pas encore confirmé leur présence. Article en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence Bestimage.